le testament que dessus est fait à Narbonne le 23 mai 1642 et signé par moi, Armand Duplessis, cardinal, duc de Richelieu et de Fronsac. Signé Colmardo. Je n'ai plus ni force ni courage. Signé en mes lieux et place par devant Maître Pierre Falconis, notaire du roi, par Monseigneur l'éminentissime cardinal Mazarini. Donne la preuve que le Saint-Père est infaillible. Car il m'a dit le premier mot de sa seigneurie, le cardinal, le duc, sera non. Le dernier aussi. Mon tout restera français. Je tiendrai Casal qui commande l'Italie du Nord. Et j'ai trahirai votre duc de Savoie qui marchande le passage de ses précipices. Et qui maquignonne avec l'Espagne au cul de mon cheval. Et puisqu'on me dit aussi que vous êtes le négociateur du Saint-Père... Oh, Monseigneur, la neutralité du très Saint-Père est éblouissante. Grâce à vos discours, mais peu sûr. Non, pas de paix. Parleriez-vous 20 ans que je ne céderai pas. Je lègue ma bibliothèque à mon neveu. Mais vous la surveillerez de près. Aussi fidèlement qu'au premier jour, Monseigneur. Au premier jour, Giulio. C'était l'affaire du passage de Savoie. C'était à Lyon. Il y a 12 ans. Hier, dirait-on. Monseigneur, si c'était un vrai diplomate... Je travaillerai à me servir dans l'esprit de votre éminence pour l'amener doucement à croire que l'idée que je veux lui donner de la situation vient d'elle et pas de moi. Et ce serait une faute. Pourquoi? Parce que votre éminence ne peut faire d'erreur. Voilà qui m'inquiète. Vous êtes dans une position si haute que vos actes fabriquent la vérité politique. Seulement politique? Non. Il y a quelque chose. Au-delà des ombres du duc de Savoie ou des incertitudes de Sa Majesté d'Espagne ou même des silences du Saint-Père, au-delà, Dieu mesure une sorte de destin dans lequel se composent les peuples de la terre à un moment de leur zénith. Ceux qui saisissent par éclair ce destin et qui l'épousent sont les maîtres ou le deviendront. Ils font plus que la vérité politique, ils font l'histoire. Et l'histoire est comme le tressaillement d'un muscle de Dieu. Quel âge avez-vous, Signor Mazarini? 28 ans, éminence. Venez donc dîner tout à l'heure chez moi, s'il vous plaît. Je sais bien que vous avez gagné. Mais saviez-vous ce que vous risquiez, Signor Mazarini? De tout perdre. Je suis toujours prêt à tout perdre. Et vous prenez ce que vous faites pour plus important que vous-même, je l'ai remarqué. Soyons francs. À Casal, que cherchiez-vous? Se précipiter entre deux armées à peine relevées de la prière, qui pointent les mousquets, et hurler comme un diable, « La paix, la paix !» sans se faire tuer, c'est un pari. Et réunir les maréchaux espagnols et français, et les convaincre en un quart d'heure de s'embrasser, ça, monseigneur, c'est un calcul. Oui, d'orgueil. 10 mois avant, je n'avais pas pu vous amener à la paix. Je voulais la prendre et venir vous la remettre. En somme, vous êtes un entêté. Vous m'avez volé ma bataille. À vous seul, vous avez triomphé de 2 armées. Le pape va vous faire chanoine
Et toute l'Europe parle de vous. Il y a là de grandes promesses. Seigneur, si le sort m'éloignait de vous, je préférerais être jardinier ici à Rueil, à m'occuper des fontaines et des roses et des abeilles. J'ai décidé que votre pouvoir de persuasion serait surveillé de près. Je vous enchaîne à Paris. J'ai demandé pour vous l'annonciature au Saint-Père. On lui a ouvert 8 fois les veines. Il a peur d'un complot. Julio. Attendez que j'ai une preuve. Ce petit Saint-Marc sera balayé. Julio. Ce testament ne vous donne rien. Parce qu'il vous faudra peut-être faire oublier que vous me serviez. Votre éminence m'a déjà fait plus cardinal que le pape lui-même. La partie sera difficile. À travers moi, vous êtes presque devenu le ministre du roi, vous aussi. Après moi, vous ne serez plus rien. Vous irez plus haut. Si, comme je le pense, Bouillon est de ce complot, ce sera l'occasion de lui prendre ses dents. J'en ai besoin pour être libre vers l'Alsace. N'oubliez pas, l'Alsace doit être au roi un jour, jusqu'à la dernière ville. Pensez beaucoup aux personnes, Colmardo. Moi, je pense aux villes. Je ne vois qu'un homme pour me succéder. Peut-être. Encore est-il étranger. Je n'ai jamais vu un tel jeu entre les mains d'un anse extraordinaire. Et qui gagne ailleurs qu'aux cartes. Dites-moi, Seigneur Joliot. On raconte que vous jouez au surnom chez la marquise de Rambouillet. Que vous vous nommez Colmardo. C'est ça. Monseigneur, aux yeux de Rambouillet, la difficulté pour un anse est d'avoir le rôle de berger. On m'a demandé qui pouvait être berger cérémoine. C'est le plus humble. Celui qui fait tout, celui qui coupe les choux pour l'étable. Les frères Colmardo. Pour vous servir, Monseigneur, aussi besogneux qu'un berger dans l'église. Dans l'église? Mais vous n'êtes pas prêtre, Seigneur Colmardo. On m'a dit que pour devenir chanoine, la tonsure... Un simulacre, monseigneur, des ciseaux en taillant le vide. Je suis un simulacre de nonce qui n'a pas été ordonné prêtre. Un simulacre d'italien, puisque me voilà plus français que romain. Je parle également mal un simulacre de plusieurs langues, même ma langue maternelle. Je suis un simulacre d'homme de guerre qui déteste le sang versé. Je finirai par être quelque part un simulacre de diplomate ou de petit ministre dans un simulacre de petit état. Pourquoi pas simulacre de cardinal? Il n'est pas besoin d'être prêtre pour être prince de l'église. Je réfléchissais l'autre jour avec mon vieux père Joseph. Vous savez convaincre, Giulio. Moi, j'aime vaincre. J'aurais besoin d'un négociateur comme vous pour mener les pourparlers avec le Habsbourg d'Autriche qui va nous déclarer la guerre. Il y faudrait ma fermeté et votre souplesse. Le Saint-Père m'accuse déjà de trop de saleur à servir la France. Je sais. À vous dire vrai, j'ai peur que les Espagnols obtiennent votre rappel à Rome. Merci, messieurs. À demain. Voilà nos 3 ministres du conseil privé. 3 beaux renards. Solide appétit.
Sur qui pariez-vous? Chavigny? Le vieux de Noyer? Ou l'italien? Chavigny. Je suis inquiet. Le roi m'en veut, c'est évident. Chavigny lui aura soufflé que l'idée d'une régence de la reine après sa mort venait de vous. De moi? Je sais trop que Sa Majesté déteste la reine. La mort de Monsieur le Cardinal n'a rien changé. Vous devriez en user comme faisait feu le Cardinal. Il offrait sa démission pour que le roi le rattrape par ses trousses. Merci, messieurs. À demain. Monsieur de Noyer a eu l'idée étrange d'offrir sa démission. Et le roi qui n'attendait que cela. Maintenant, qui va manger l'autre? Monsieur Voiture en ferait une fable. À la mode cynique. Je m'efforcerai d'y suffire seul, sire. Pique. Et de deux. Décidément, Chavigny tenait un peu trop à cette idée de régence de la reine, hein? Trèfle. J'ai peur, monsieur le cardinal. Sire, il fait beau. À Münster, avec les Suédois, nous allons peut-être faire avancer la paix avec l'Autriche. Et vous tenez dans votre main toute la vie qui tâtonne. C'est beau, n'est-ce pas? Ah, celui-là ne connaît pas encore la fourberie. J'ai peur. Non pas de la mort qui approche, mais qu'après moi tous se ruent sur l'héritage. Les grands attendent voracement leur part au grand banquet. Mon frère, Orléans, va encore trahir. Et la reine. Avec la reine, l'Espagne va triompher. C'est horrible. Vous ne dites rien. Ce n'est pas à moi de dire que ceux qui choisissent un pays par mouvement du cœur lui sont souvent plus fidèles que d'autres qui y sont nés. Mais vous avez oublié la vie même. Votre dauphin, sire, il sera roi. La reine a été espagnole, mais avant toute chose, elle sera mère. Dieu. Que je voudrais avoir la force de mettre mon dauphin à cheval. Il suffirait d'un conseil de régence où les voix les plus fidèles pourraient soutenir la reine contre vos ennemis. Si vous pouviez dire vrai. C'est tout. Monsieur le cardinal avait une lourde rigueur. Ouvrez la cour aux exilés. Donnez-vous le bénéfice du pardon. Il convient donc que mon frère revienne. Oui, monsieur. Et tous ceux que feu le cardinal avait éloignés de votre majesté. On surveille mieux les gens de près. On peut les couvrir de cadeaux, de questions. Mon frère. Vitry, Bassompierre, les trois Vendôme. Mais pas Madame de Chevreuse, n'est-ce pas? C'est le diable. Qu'en dirait le cardinal? La politique du cardinal et la nôtre ne diffèrent pas sur les objectifs, seulement sur les moyens. Il est bon avec vous de pardonner. Si ce pauvre monsieur de Saint-Marc. Laissez la vie vous apporter quelque douceur. Je vais mourir, monsieur le cardinal.
Mais je veux préparer ce conseil de régence. Et je veux même davantage. Monsieur le cardinal, vous n'êtes lié qu'à moi. Je veux que vous soyez parrain de mon dauphin. À monsieur le cardinal qui vous demande audience secrète. Et l'astrologue vous dit que je suis sous un signe de rouge. Monsieur le cardinal. Le voilà. Mon petit roi, chéri, s'il vous plaît, posez la brosse et saluez bien monsieur le cardinal. Bonjour monsieur le cardinal. Monsieur le cardinal, vous aviez souhaité que cette rencontre fût très privée. Je vous en donne le lieu, en attendant que vous m'en donniez les motifs. Madame, je dois remercier d'abord votre majesté, qui m'accorde un plaisir encore plus grand que celui de voir la reine. C'est celui de voir ensemble la reine et monseigneur le dauphin. C'est d'ailleurs à tous deux que s'adresse ma demande. Le roi m'a fait un honneur insigne. Il m'a choisi comme votre parrain, monseigneur. Ce choix me comble. Mais il ne me comblera jusqu'au fond du cœur que si votre majesté elle-même l'approuvait. Mon avis n'a jamais compté beaucoup auprès du roi, éminence. Le roi désigne le parrain du dauphin. La reine choisit le parrain de son fils. Votre robe m'assure que le roi a pris là une décision pieuse. Non, c'est une décision politique, madame. Le roi a songé que je ne suis lié ni à son frère le duc d'Orléans, ni à vous-même. Et que vous êtes fidèle au souvenir de feu monsieur le Richelieu? Oui, au grand dessein du cardinal pour le royaume, mais les chemins peuvent différer. Dieu m'a permis d'en convaincre le roi lorsqu'il a rappelé d'exil tous ceux qui s'étaient rebellés. Soyez-en remerciés. Avec ce pardon, vous avez aidé le roi à préparer son salut. Madame, sa majesté est bien faible, bien malade. Elle a surtout souci qu'après elle, son successeur soit entouré. Je sais. Elle a surtout souci que je ne sois pas seule régente. Monsieur de Chavigny avait su persuader sa majesté de la nécessité d'un conseil auprès de vous. Mais l'important n'est pas que ce conseil existe dans le testament. Ni que monsieur, frère du roi, préside ce conseil. Vous y auriez aussi des serviteurs. L'important, madame, c'est de rejeter dans le passé tout ce qui fut discorde ou différent. De n'avoir plus qu'une volonté, un amour unique pour assurer le règne de cet enfant. Le temps vient de grands basculements. Un jour, l'Europe entière peut obéir à ce royaume. En attendant, le conseil de régence obéira à monsieur contre moi. Si Dieu exigeait que le roi meure, ce conseil... Ce conseil ? Rien n'est plus fragile que ses testaments. Lorsqu'un parlement les prend dans ses mains, il se casse. Quand le roi mourra, sa volonté risque de mourir avec lui. Et celui qui l'a fait parrain de son dauphin disparaîtra tout le premier, si vous le souhaitez. L'Italie a des retraites lointaines. Vous n'y êtes pas encore, monsieur le cardinal. Madame, j'y aurai comme le plus précieux de mes biens. L'amour que je porte à servir. La famille royale. Okay.
voilà. Allez, venez vite vous habiller, c'est l'heure. Frère, voici un dauphin que le baptême a fait renoncer à Satan et remettre à Dieu. Comment avez-vous nom à présent, mon fils? Louis XIV, mon papa. Pas encore, mon fils. Pas encore. Mais ce sera peut-être pour bientôt. Souvenez-vous, mon fils, que monsieur le cardinal est votre guide. Je souhaiterais plusieurs vies pour pouvoir les employer au service du roi. Les forces me manquent pour aller laver les pieds des pauvres. Père Vincent de Paul, je veux que mon dauphin m'y remplace. Arriver avant la séance. Je l'ai déjà assuré deux fois, votre éminence. Je veux savoir toutes les audiences de la reine ce matin. Informez-vous. Vous êtes inquiet, monseigneur? Sir, j'ai pris un fichu risque. J'ai envoyé à la reine ma démission du conseil de régence. Mais le Parlement vient de casser le testament. Il n'y a plus de conseil. Justement, j'ai écrit avant. Ma lettre était faite pour que la reine voie qu'à mes yeux, elle était la seule reine, quoi que puisse dire le Parlement. Pour le reste, peut-on espérer que la reine... C'est une femme. Et même une très belle femme. Jure, le vrai roi sera le futur ministre. Ah, j'ai eu si peu de temps pour convaincre. Père Vincent Paul. J'ai le sentiment d'un péché. Je devrais avoir le cœur déchiré. Vous n'avez pas encore eu le temps de souffrir, madame. Je me sens vide. J'en ai honte, mais d'une certaine façon, je me sens aussi presque libre. Croyez en l'aumônier des galériens et des condamnés. Votre prison vient seulement de s'agrandir. Conseillez-moi, Père Vincent. Je me suis donné des espèces de conseils paysans. Vous êtes reine de France. Mais ça me fait peur. Je suis toute seule avec cet enfant. Je crois que votre royaume doit penser avant toute chose, en vous-même, avant votre ancienne famille d'Espagne, avant vos amitiés et vos désirs. Parce que votre royaume, c'est pas un dessin sur une carte.
C'est des millions de gens dont vous avez la charge. Pour votre deuxième conseil, parce que votre caractère vous pousse à un premier mouvement un peu vif, c'est d'éviter les discordes. Le cardinal Mazarin me dit ça aussi. Alors écoutez-le. Qu'en pensez-vous, mon père ? De quoi ? Cardinal Mazarin ? J'ai demandé conseil. Le confident de monsieur de Buckingham, Lord Montaigu, des gens honnêtes, me disent que le cardinal n'appartient ni aux grands, ni à la noblesse, ni au Parlement, ni même à l'Église, puisqu'il est seulement dignitaire. Il n'existerait en toute chose qu'autant que la royauté le voudrait bien. Moi, j'entends pas grand-chose à tous ces détours politiques. Il y a beaucoup de gens, en ce moment même, qui se réjouissent de la mort du roi comme d'une victoire. Ils pensent que je vais livrer le royaume, ces millions d'hommes, comme vous dites, à l'Espagne, ou à monsieur, ou au Vendôme, chacun sa part. Ils ne pensent qu'à posséder, pas à gouverner. Chacun va vouloir arracher quelque chose. Je suis toute seule. Et vous, ma fille, que pensez-vous du cardinal ? Je ne sais pas. L'autre était un bourreau. Mais lui m'a l'air sans haine, aussi solitaire que moi. Gai. Sans cortège de jupons et sans escorte d'épée. Prions, ma fille, et tout s'éclairera sans que vous y songiez. Rien d'ouvert, madame. Pas jusqu'aux funérailles. Que penses-tu du cardinal, ma chère ? Lequel, madame ? Le seul voyant Marthe. Le vivant. Que fait madame de Sénessay ? Et il la porte. Il n'est là que pour médire, ce foutu gueux. Sire, depuis ce matin, par ordre de la reine, je suis votre principal ministre. Et monsieur Letellier, votre secrétaire d'état à la guerre. Et nous vous apportons la nouvelle de la plus grande victoire qui a remporté vos armées. Le duc d'Enghien a écrasé les Espagnols à Rocroi, dans les Ardennes. Il envoie des fagots de drapeaux à votre majesté. Tu m'emmèneras à la guerre ? Oui. Je vais vous donner de beaux soldats de bois. Et de vrais petits canons. Qui tire ? Oui. Et plus tard, je vous apporterai la paix.
Drapeau ou pas, mon petit cire va s'enrhumer. Allez, dînez vite qu'on vous habille en vrai roi de victoire. Tant de lauriers après 5 jours de règne, quel présage! Mais celui qui les a coupés à la main grande, je me méfie de l'orgueil de Condé, particulièrement du duc d'Enghien. À propos, que Renaudot dise bien dans sa gazette que le feu roi avait prédit et ordonné cette victoire. C'est un présage aussi pour vous, monseigneur. Puisque la force vient à point, montrons-la. Prenons le risque de laisser venir les derniers grands fauves. Je vais faire ce plaisir à la reine. Je vais faire chercher cette jolie garce de Chevreuse par un beau jeune homme. Avec beaucoup d'ardeur. C'est bien simple. Il suffisait que je prenne un mari pour qu'il meure et un amant pour que l'homme rouge le décapite. Cet amant-là était par bonheur un archevêque. Comme disait Brantôme du vieux Bassompierre, un vrai poireau, blanc de la tête et vert de la queue. J'avais tout ce que je voulais rien qu'en lui laissant toucher ma cuisse sous la table. Si je vous raconte. Non, ma chère, vous ne me scandaliseriez plus. Allons bon. Voilà que l'un des raisons m'est venue avec l'exil de vous dire ces bagatelles, maintenant que vous êtes reine. Autrefois, je vous ai rire. Vous vous souvenez des courses en sac, ici, dans la cour? Mon Dieu! Et le roi qui me haïssait de vous aimer? Il y a un siècle de cela, Marie. Ben, quand je vous regarde, vous avez toujours des seins admirables. J'ai lancé Buckingham à l'assaut de celui-ci. Montmorency à l'assaut de celui-là. La citadelle serait-elle à nouveau assiégée? Vous êtes folle. Madame, méfiez-vous de ce cardinal. Il a la robe rouge comme l'autre, le cul pourri. Mais que croyez-vous donc? C'est lui qui vous a fait revenir. Je crois que vous n'êtes plus de notre parti. Cet Italien a des yeux admirables. Mais son parfum, et miel et vinaigre, c'est un enragé de la guerre, comme si le roi était moins le roi sans l'Alsace et sans les Flandres. Il écarte les grands de vous, de tout. Il vous ensorcelle. Au point qu'on fait partout les mauvais discours que vous couchez ensemble. Vous vous trompez. Chassez-le. Faites revenir le vieux Châteauneuf. Vous vous trompez. Le cardinal est plus français que beaucoup de princes. Oui, il m'a donné une passion, celle de faire de mon fils un roi. Oui, il m'ensorcelle par son esprit et sa clairvoyance. Mais sans péché. Vous entendez? Marie, pourquoi est-ce si difficile? Madame la Duchesse, Madame la Duchesse de Longueville. Oui. Les comédiens seront bientôt prêts, madame. À vos ordres. Je vous ferai signe. Croyez-vous qu'il viendra? Oui, à cause de Corneille. Ah, c'est merveilleux, je crois que tous ses pires amis sont là. Vous, moi, votre frère Conti, le coadjuteur de Gondi, Madame de Montbazon, Beaufort. Pour ma chère. Est-ce que vous croyez qu'il la baise? Je ne sais pas. En tout cas, il ne la quitte pas comme la pointe d'aimant suit le nord. Ils ne sont jamais seuls. Jamais. Quoi qu'en carrosse. Voici le renard. Je vous laisse mener la chasse seule. Beaulieu que te vous attendais, monsieur le cardinal. Que de soucis flottants, que de confus nuages présentent à mes yeux d'inconstantes images. Douce tranquillité que je me refais.
Laissons Paulieu de briser ses idoles. C'est une pièce qui se passe à genoux. À moi de m'agenouiller, s'il vous plaît, devant vous. Parlons franc. Franc. Je dirais qu'une très longue absence... Trop longue. ...n'a pas altéré la beauté de Madame de Chevreuse. Je m'applaudis d'avoir pu y ajouter un feu plus modeste. Cette main-là est nue. Je viens de persuader Sa Majesté de la vêtir de 50 000 livres. Il paraît que vous me détestez. Alors vous devez savoir que 50 000 livres ne sont pas mon aune. Que voulez-vous? Tout. Tout ce que nous a ôté votre maître, le cardinal Sanglant. Sauf les vies qu'il a prises et que vous ne pouvez pas rendre. Je veux l'amirauté et le gouvernement de la Bretagne. Pour la maison de Beaufort. C'est l'amant de la Montbazon. Celui du Havre. Pour la Rochefoucauld, c'est l'amant de la Longueville. Pour nous, la paix avec l'Espagne et l'amitié des Habsbourg. Pour la reine, je veux que Châteauneuf devienne ministre à votre place. Tout. C'est le fond du cœur. Mm-hmm. Alors je suis au désespoir. Écoutez, nous allons trouver un arrangement. Savez-vous que la reine a rappelé Châteauneuf à Paris sur mon conseil? Je suis comme vous. J'aime jouer. Pas au même jeu, monsieur le cardinal. Les miens percent moins de cœur. Prenez garde, éminence, il risque d'en percer un de trop. Laissez la reine, n'y touchez pas. C'est une déclaration de guerre. Exactement. Je travaillerai tard ce soir. J'allumerai du feu. Il fait un peu frais. Oui, monsieur Bluet. Il est au cercle de la reine. Monseigneur! Monseigneur! Oui. Avant-hier, j'ai dîné à maison et au retour, j'ai partagé mon carrosse avec monsieur. C'était fortuit? Oui, c'est décidé au dernier moment. Son Altesse Royale vous a sauvé la vie. S'il le savait, il ne s'en remettrait pas. Attention. Elle ne souffre pas de vous voir attendre, monsieur le duc. J'arrête. Quel jeu! Vous m'avez gagné 50 pistoles. Je vous souhaite autant de chance sous les armes. Vous songez à partir en Flandre, je crois. Si la maison de Condé me laisse quelques victoires à prendre, madame, pour vous la donner. Je prierai pour que tout se passe pour vous comme je le souhaite. Marie. Oh, Marie, nous avons vieilli. Que Dieu nous bénisse. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Au nom du roi, monsieur le duc. J'ai ordre de vous conduire à Vincennes. Mort ou vif, monsieur le duc.
Vos amis sont au milieu des gardes. Que tout soit discret, Guido, je vous prie. Hélas, j'ai ordre que tout Paris sache votre sort. Deux compagnies vous attendent avec tambour et étendard. Madame la duchesse de Chevreuse, Sa Majesté souhaite que vous vous retiriez dans vos terres d'Angoulême sans la revoir. Vous allez sans doute demander le jugement de ce malheureux garçon. Qui voulait me tuer et prendre barre sur vous avec la voracité de tous les importants de son espèce, rassurez-vous. Le ciel m'a fait tel que je ne sais pas bien haïr. Je me sens au-dessus de la vengeance, peut-être parce que je me sens au-delà de l'affront. Je sais. Vous haïssez qu'on tue par bonheur. Parce que j'aime la vie. Et pour la même raison, je hais qu'on me tue, imaginez-vous. Tous ces exils qui recommencent. Montbazon et Vendôme, Anne de Gonzague, Marie de Hautefort. Et Châteauneuf. Et Madame de Chevreuse. Marie, mon Dieu, vous exigez beaucoup. Il le faut. Son amitié jalouse trop fortement quiconque vous aime. Elle n'avait pas motif de vous jalouser. Pas motif. Que ma reine se calme. Votre autorité a provoqué chez tous la stupeur. Chez les grands, une admiration pleine de crainte. Et chez moi. Chez vous. Il est encore temps que je m'éloigne. En el fondo de Italia, seguiré pensando. In mi ruina. Si vous le souhaitiez, je disparaîtrais dans l'ombre. À l'instant même. Non. Non, ne partez pas. Sans ça, je ne sais pas ce qui arriverait. Dios mio. Tout est trop lourd. J'étouffe. Dans ces murs de citadelle. Dans cette glace. Je veux voir des jardins. Du ciel. Partez du Louvre. Quittez ces tours, ces fossés. Logez au palais cardinal où il y a des arbres. On finit mon hôtel juste à côté. On peut percer une porte rue des petits champs entre les deux jardins. Je serai votre plus proche voisin. Soyez mon plus proche ami. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette liste? Ah, voilà. Monsieur de Lyon, monsieur de Narbonne, monsieur de Tours, monsieur de Toulouse. Votre éminence fait le comte des bourreaux? Non, des évêques. J'ai besoin d'eux contre ce pape qui m'excède avec sa cour espagnole. Et dire qu'il s'appelle Innocent. Il est bien tôt, monseigneur. Tôt? J'ai déjà entendu la messe. Ah, mon bouillon. Naudet veut que j'achète la grande Bible de Gutenberg pour ma bibliothèque. Que peut-on vendre? Nous avons des tapisseries, du sucre du Portugal, un grand surplus d'ambre. Vendez. Je veux cette Bible. Voyez Hervard pour une lettre de crédit. Bien, monsieur. Le bateau? Je marchande. C'est une flûte qui s'appelle par un jeu du sort la Cardinale. Elle est armée à Brest pour la course. Elle nous assurerait de bonnes prises, mais je compte gagner 3 ou 4 000 livres sur le prix. Achetez.
Voyez-nous à La Rochelle s'il y a des galères armées. La mer rapporte beaucoup. Quel temps fait-il? Il neige, monseigneur. Il neige toujours. J'aime la neige. Elle me rajeunit. Combien de lieues ai-je pu faire dans la neige entre Rome, Milan, Mantoue, par tous les chemins de brigands? J'ai dépouillé le courrier de Master. Où? Alors? Eh bien, monsieur Servien pense que les Pays-Bas traitent dans notre dos. La Suède veut de plus en plus de terre. Et pour parler piétine. Il y a un rapport de monsieur de Lyon qui estime que nos alliés se dérobent. Oui, seuls nos adversaires sont sûrs, comme d'ordinaire. Ce matin, je regardais cette carte. Vous savez ce que je me disais, La victoire de Nordlingen n'a servi à rien. Et pas d'argent. Et de l'autre côté, il faut refaire la flotte de Méditerranée à cause de ce foutu pape. C'est un gouffre d'or. Le pape me coûte la guerre, me coûte les grands, me coûte. Et le Parlement rechigne à enregistrer de nouveaux impôts. Je suis trop pauvre. Nous, monseigneur? Oh non, pas nous, non. À propos, vous avez le brevet de la Compagnie du Nord? Pour la pêche à la baleine, oui, monseigneur. Ah. Voici, monseigneur. C'est l'État qui est pauvre. Et le pays est malheureux, je le sais. Encore un petit moment, jusqu'à ce que je gagne la guerre. Que le Parlement se taise juste un petit moment. Tu vois, Pharaon, j'ai ce royaume à tenir chaque matin comme je te tiens. Mais toi, tu es gras. Toi, tu ronronnes. Leur raid et leur bretaille. C'est tout ce que l'Italien invente, le toisé, le tarif. La guerre est chère, l'ami. Il faut savoir ce qu'on veut. Ouais, si on n'avait pas le Parlement, camarade, nous on irait tout nu. C'est des pommes d'hiver, ça? Elles l'ont payé, ce fameux tarif. Et celles-là, elles l'ont payé, le tarif. On peut voir. Oh. Voilà une petite fillette qui est entrée à faire le saut du foin avec des petites sœurs. Et qui n'a pas payé la taxe? Non. Hein, ma fillette? Elle connaît pas Mazarin. Notre France est ruinée. Faute de ce cardinal, abréger les années, il est l'auteur du mal. Faut sonner le tocsin, zin, zin, pour pendre Mazarin. Faites entrer. Ah, monsieur le coadjuteur. Je rends grâce à votre éminence de m'accueillir dans son privé. Mais c'est Paris qui entre ici tout entier avec vous, monsieur de Gondi. Hélas, monsieur le cardinal, en ce cas, je crains de traîner une mauvaise odeur. C'est la poudre qui se renifle ces derniers jours à Paris. Mais c'est parce que le vent de Flandre la porte. Je vous confie que nous sommes à la veille de grandes victoires. Mais savez-vous de qui l'Espagne attend son meilleur secours? Savez-vous quels sont nos plus sûrs ennemis? Les Français. Hélas, monsieur le cardinal, c'est qu'il pense ce que disait à la reine l'avocat général Talon. L'espérance de la paix et l'honneur des batailles gagnées ne peuvent nourrir ceux qui ne comptent pas les lauriers parmi les fruits ordinaires de la terre. Hélas, je sais traduire cette éloquence. Du pain d'abord, des canons plus tard, et surtout point de Mazarin. Hélas, monsieur le cardinal, il est vrai que le vent de Flandre risque de devenir vent de fronde. Pour peu que quelques génies de la sédition soufflent avec lui, hélas, je le sais bien. Hélas. Vous regardez ma collection? Vous voudrez dire non, je... Si, si, je vous en prie. Ce sont toutes les dernières mazarinades. Vous connaissiez celle-ci? Ce foutu Sicilien ne vaut rien, il est bougre comme un chien. Elle en a sur ma parole dans le cul. Ne continuons pas, c'est injurieux pour la reine. Et celle-là, à chaque coup qu'il lui donne, il fait branler la couronne. C'est impayable. Ou plutôt non. Savez-vous ce que je fais? Je les fais saisir un peu partout par la prévôté, je les revends au libraire. D'ailleurs, le cours monte. 1000 écus le lot. Ça vous intéresse?
Parlons plus sérieusement. On me dit que le Parlement gère le dossier des impôts, celui de la Paulette, s'il vous plaît. Supprimez le Parlement, voilà ce qu'il faudrait. Feu monsieur de Richelieu disait du Parlement, n'éveillez pas cette grosse bête. Ne comptez pas que j'aille la caresser. Et ce Broussel, savez-vous ce qu'il dit? Que le meilleur moyen de servir le roi est parfois de lui désobéir. Oh, lui et ses deux autres enragés, je les pendrai. Est-ce una profanación? Le Parlement est comme toute réunion d'hommes. On y trouve des hommes généreux qui compatissent à la souffrance des pauvres. C'est le président Mollet, on ne l'achète pas. Il y a les coquins riches, comme Talon, qui ne songent qu'à parvenir et qu'on pourrait adoucir, peut-être. Enfin, il y a les pires, les imbéciles. C'est Broussel. Et tous ont en commun qu'ils ne supportent pas qu'on chatouille leurs écus, ce que vous venez de faire avec la Paulette. J'ai besoin de temps presque davantage que d'argent. Les progrès que nous faisons à Münster vers la paix sont rapides, mais fragiles. Avant de nous attaquer au Parlement, il nous faut une grande victoire ou un grand traité. Je suis prêt d'obtenir la cession d'énormes territoires. Mais que ne dois-je pas céder ici? Votre patience n'est pas une vertu royale. Je sais bien, c'est une vertu cardinale. Feignez d'accepter cette charte jusqu'au moment où nous pourrons rabaisser tous ces parleurs. Münster est loin. À votre place, l'hôtel du surintendant des finances incendié, son fils à moitié tué, le chancelier Séguier poursuivi dans la rue, du peuple qui ouvre les prisons. Tout ceci sans la révolte. Je laisserai Paris respirer. Si le Parlement ne respire pas, qu'il étouffe. Laissez-moi faire. Il faut jeter des roses à la tête de ces messieurs. Madame? Oui. La victoire, madame. Sire. Le prince de Condé vient de gagner une grande bataille à Lens contre l'armée espagnole. 500 officiers prisonniers, 120 drapeaux pris. Tout un train d'armée en butin, des canons comme ceux que je vous ai donnés, encore plus gros, et des ponts de bateaux. Comme sur la Seine? Plus grand, pour faire passer les chevaux. La chance, enfin, la providence. Nous reprenons force. Alors, maman, ces messieurs du Parlement seront bien fâchés? Plus encore que vous ne songez, Louis. Il est temps maintenant d'avoir d'autres vertus que la patience. Aux armes, les gars! Au Parlement! Allez, au Parlement! Au Parlement! Aux armes, aux armes! Libérez Broussel! Libérez Broussel! Libérez Broussel! Libérez Broussel! Libérez Broussel! Vous voulez plus qu'on paye d'impôts? Aux armes, rejoignez-nous! Les milices bourgeoises sont avec nous! Occupez le palais de justice. Empêchez le Parlement de siéger. Trop vite. La reine a été trop vite. Vous avez été trop vite, madame. Je n'accepte pas que Broussel ait pu dire que la meilleure façon de servir le roi est de lui désobéir. Broussel est un imbécile, mais c'est une sorte d'emblème. Il ne fallait pas y toucher sans précaution. Et cette charte? Imposer au roi une charte? Une constitution, c'est une république dans la monarchie, c'est tout le Parlement qui est criminel. Prenons garde au coadjuteur, en tout cas, il est capable de souffler sur le feu pour la seule joie de se faire acclamer par la rue. Il y a de la révolte à s'imaginer qu'on puisse se révolter? Qu'est-ce qui vous prend d'être le messager de ce cri-là? Libérez Broussel, mais je l'étranglerai plutôt de mes propres mains. Madame, plût à Dieu que tout le monde fût aussi sincère que vient de l'être monsieur le coadjuteur. Ressaisissez-vous.
Monsieur de Gondi craint pour le roi, il craint aussi pour sa ville. Sans doute ne pourrait-on être trop ferme sans risquer de provoquer ce qu'il faut bien appeler de grandes révolutions. Ça s'appelle céder. Que votre majesté excuse ma franchise de soldat. Le roi n'a ni troupes ni cavaliers, à part quelques Suisses et les chevaux légers. Nous pouvons nous faire tuer, comme tout à l'heure au Pont-Neuf, mais nous ne pouvons pas arrêter Paris. Peut-être y a-t-il eu un peu trop de hâte à tout ceci. Ne faisons pas de ce Broussel un martyr. Le cardinal a raison, ma sœur. C'est la charte qu'il aurait fallu pouvoir mettre en prison. Gagnons du temps jusqu'à demain. Mais comment arrêter l'émeute? Qu'on dise au peuple, je ne sais pas moi, que la reine lui rendra son Broussel. Pourvu qu'il ne continue pas à hurler en foule. Que chacun se calme, rentre chez lui, et Broussel reviendra. Et qui va porter cette belle parole à ces furieux? Un seul homme au monde en est capable, madame. Que votre majesté me donne au moins un ordre de sa main. Il n'y a que vous. Rendez le repos à l'État. Une preuve écrite pour m'en faire accroire par l'émeute. Madame, je... Allons nous battre, monsieur le coadjuteur. Ils veulent plus que des promesses. Madame, demain il faudra choisir. Tirer ou céder. Allez vous poser, monsieur. Vous avez bien travaillé, vraiment. Mêlez-vous donc maintenant de prier Dieu. Laissez-moi vous dire de... Inutile, monsieur le cardinal. Je sais aussi me mêler du reste. Madame, ces messieurs du Parlement. Encore? Ils étaient là il y a 2 heures. Nous avons traversé Paris sous les menaces. Et le peuple nous a ramenés ici à la pointe des pics, parce que nous étions sans Broussel. Je songeais qu'on vous aimait davantage, messieurs. C'est pour vous que le peuple a pris feu. Ce matin, l'émeute a gagné toute la ville. Je ne tiens plus la rue. La milice que vous aviez appelée a coupé avec nos troupes. Et s'est embarricadée elle aussi, madame. Il y a plus de 1200 barricades. Sans le courage du premier président Mollet... Madame, je vous supplie de songer au salut du palais. Peut-être à la vie du roi. Ne balancez pas cela avec la punition de quelques hommes coupables d'avoir été trop entêtés du bien public. Le bien public et le bien du roi se confondent. Eh bien, messieurs, voyez donc ce qu'il est à propos de faire. Il n'est pas d'usage de délibérer ailleurs qu'à notre siège, mais cette fois... Aujourd'hui, je propose de rendre arrêt. Par lequel il est ordonné que la reine sera remerciée de la liberté accordée aux prisonniers. Nul ne demande la parole. Il est ainsi délibéré et jugé. Où est le greffier? Ici. Nous écrivons ici. Écrivez les expéditions. Et des lettres de cachet. Et des copies. Je veux des copies pour les barricades. Très bien. Où est Broussel? Sur la route de Sedan. Vous l'aurez ce soir. Il courra plus de danger dans la joie de la foule qu'il n'en eût couru en prison. Moins que si je l'eusse tenu entre mes mains.
Votre Majesté le permet. Monseigneur, il y a une émeute à la porte Saint-Honoré. Nous allons prendre par le cours la reine. Je n'avais pas vu la menace si grande. Elle existe encore. Vous assurer du roi, vous cloîtrer au Val-de-Grâce, me tuer et offrir la régence à l'oncle du roi, celui qui vous appelle si bien ma sœur, votre siffloteur de monsieur qui embrassera le Parlement. Gondy serait ministre avec mon chapeau. À Rueil, nous serons du moins libres de nos résolutions. Tant que nous n'aurons pas une armée. Tout dépendra donc de Condé. Je lui ai écrit, comme vous le vouliez, que son repos à la ville me serait plus utile que son travail à la campagne. J'avoue que depuis que son père est mort, monsieur le prince m'inquiète. Vainqueur de Rocroi et de Lens, grand maître de France, gouverneur de Berry, de Bourgogne, de Champagne, c'est un peu trop de puissance. Mais c'est vrai, tout dépendra de lui. Je connais ce bras tout seul. L'autre est resté au siège de Thionville, monseigneur. Monsieur de Lorbeau, venez donc me voir à Chantilly, hein, pour parler de celui qui reste. Oh, monsieur le prince, quelle joie! Leur Majesté vous attend. Voilà un accueil qui me touche, Éminence. Et qui m'engage à vous reprocher tout de suite quelques petites mortifications que vous m'avez faites. Mortifications ? À la tête de ma cavalerie, vous avez mis Beaujeu, alors que je l'avais donné à Noirmoutier. Au gouvernement d'Ypres, vous avez mis Paluot, alors que je l'avais donné à Châtillon, et vous venez de me refuser le brevet de maréchal pour Bussy. Que faire pour obtenir quelques grâces pour ses amis ? Perdre des batailles ? J'accepte ces reproches. Savez-vous que vos lauriers font des jaloux ? Je refuse à vos amis pour que monsieur puisse entendre parfois au conseil que la fortune vous résiste un peu. Dites-moi, cette sacrée fortune, elle vous a bien résisté à Paris, d'après vos lettres. Pour la reine et le roi, j'ai craint le pire. Et pour vous, qu'on vous branche à la lanterne. J'ai trop songé depuis quelques années aux affaires de l'étranger, pas assez à celles de l'intérieur. Du moins, vos victoires n'auront pas été vaines. En Westphalie, à Münster, nous sommes sur le point de conclure les négociations. Nous aurons Philippsbourg. Et Neubrisac, et toute l'Alsace entre Vosges et Rhin, et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun. Le Habsbourg d'Autriche n'existera plus pour 100 ans dans nos possessions d'Allemagne. Et Pignerol, d'où je peux le couper du Habsbourg d'Espagne. Sincèrement, monsieur le cardinal, vous aussi, vous gagnez des batailles. Venant de vous, voilà qui me paie de bien des peines. Mon cousin, j'ai tant de merci à vous dire et tant de joie à vous voir. J'en oublie le reproche. Vous avez tardé, monsieur le prince. Que votre majesté me pardonne, mais mon seul soin en Flandre a été de la servir chaque jour. Nous avons été à cause du Parlement dans une effroyable nécessité. Vous avez laissé prendre au bonnet carré une bien grande allure. Comment faire la guerre sans impôts, monsieur le prince? Sa majesté a payé l'armée du Rhin de sa cassette. J'ai vendu ma vaisselle et mes tapisseries pour envoyer 80 000 pistoles à Turenne et vous-même. Comment agir quand le Parlement joue à faire le roi? Nous étions en leurs mains. Ces chafourés vont trop vite avec leurs chartes. Ils nous poussent même à les étriper. Essayez donc d'étriper Bruxelles à Paris, mon cousin. Ils sont allés vous voir, je crois. Je les ai un peu traités à coups d'étrivière. Je leur ai dit que je ne souffrirais pas plus que Sa Majesté, ni leur désobéissance, ni leurs songes creux. J'espère que la bride est assez courte pour le moment.
Monseigneur, le Parlement est une force bien plus diverse qu'une armée, bien plus sourde et pesante. Croyez-moi, on ne la bride pas. Au point où en sont les choses, il faut composer avec le Parlement, ou le briser. Ah. Nous ne les étriperons pas demain, je vous l'accorde. Il faut en venir le plus tard possible aux extrémités. Que votre Majesté les mène par quelque biais, dans la douceur, composer, traîner doucement, comme vous savez faire. Venez, mon cousin, le roi vous attend. Il ne songe qu'à vous entendre parler de la guerre. Monsieur le prince, ne ferez-vous pas revenir l'armée d'Alsace sur Paris? Pour villes et villages, tocsins il faut sonner, tromper tous les partages qu'il voulait ordonner. Pour sonner le tocsin d'un, pour prendre Mazarin. Ce méchant plein d'outrages a ruiné tant défauts, pour tous gens de village, vous donnant des impôts. Pour sonner le tocsin d'un, pour prendre Mazarin. Mettez-vous sur vos gardes, chargez bien vos moussets, armez-vous de barbares, je qui les porterai. Pour sonner le tocsin d'un, pour prendre Mazarin. J'avais trop espéré de monsieur le prince. Un jour, il traite le Parlement comme de l'infanterie espagnole. Le lendemain, il est tout sourire, toute indécision. Impossible de percer le jeu de ce solitaire. Impossible de savoir ce qu'il va faire. Vous savez bien que ce n'est pas un politique. C'est un emporté. Son armée n'a toujours pas bougé. Ce n'est pas la peine de partir pour Rueil, pour revenir à Paris battu, la charte signée par le roi. Dans 3 ans, le roi aura 13 ans. Il sera majeur. Nous déchirerons ce papier. Je n'irai pas ce soir au Parlement voir enregistrer cette charte. Dire que nous avons cédé sur tout, même sur les lettres de cachet. J'ai prié la moitié de la nuit. La fortune a des tours étranges. Aujourd'hui même, des années de guerre finissent. C'est aujourd'hui. Oui, ce soir, 24 octobre, les traités seront signés en Westphalie. Oui, madame, le roi a la sûreté aux frontières, une brassée de terre et de ville. Dieu soit béni pour cette grâce. Le royaume entier devrait être un tédéum. Mais personne ici n'y prend garde. Ma reine, ce soir, la France sera le premier pays d'Europe. Mais à Paris, nous sommes battus, c'est vrai. Et Condé qui ne veut rien comprendre. Mon petit roi de France n'est plus qu'un beau roi de cartes dans la main de ce Parlement. Ma reine, je vous avais promis la paix. Je vous en apporte le premier enjeu. Je vous promets maintenant de rassembler tout ce qui s'échappe dans ce royaume. Ma reine, je vous le redonne. Monseigneur. Monsieur le coadjuteur, souffrez l'absence de cérémonie puisque vous êtes pressé. Monseigneur, j'avais hâte. Alors, vous avez fait la guerre des pots de chambre? Vous vous êtes amusé contre le roi dans Paris? Pas contre le roi, monseigneur, contre le Mazarin. Mon cher, ne pensez pas trouver non plus chez moi beaucoup de chaleur pour la Sicile. Mais je voudrais qu'on sache, le Mazarin, le Parlement... Et vous, avec, que je suis revenu ici pour soigner à peu près l'unique chose que j'ai gagnée à la guerre. Des rhumatismes. Monseigneur, écoutez-moi, la reine est envoûtée par ce diable.
Exorcisez-la. Il obtient de tous ces embrouillements une fortune insensée comme... comme un sultan des Indes. Volez-le. Il a tiré le sang du royaume avec... Je voulais dire, monseigneur, qu'il a tiré le sang du royaume avec ses impôts. Ses impôts? Et avec quoi voulez-vous que je fasse la guerre, moi, si je n'ai pas d'impôts? Moi, quand mes soldats ne sont pas payés, ils ne meurent pas. Rien à faire. Monseigneur, il s'est formé un parti à côté de la fronde du Parlement que l'on appelle la fronde des grands. Le parti de ceux qui soutiennent vraiment la paix, de ceux qui veulent délivrer la reine. Je sais, qui veulent reconquérir toutes les places, regagner tous les bénéfices, faire régent ce merle déguisé en aigle qui s'appelle monsieur, et vous faire principal ministre, ou qui sait, plus. Mais je sais tout cela parfaitement. On écoute dans le silence des campagnes. Peut-être n'avez-vous pas entendu, monseigneur, le bruit que feraient tous les fruits tombant de cet arbre si votre main le secouait. Tous ces gouvernements, toutes ces provinces... Monsieur, j'ai assez de biens et d'établissements pour me conserver au roi par mes services et ma fidélité. Ma perruque. Mais je ne serai pas maître de cette fronde-là, parce qu'elle ne peut se faire contre le roi, Gondi. Je suis prince du sang. Partie intégrante de la royauté. Grand maître de France, général en chef, je m'appelle Louis de Bourbon-Condé. Je suis un homme rasé et je ne veux pas ébranler la couronne. Mais votre frère et votre sœur... Madame de Longueville dit elle-même qu'elle n'aime pas les jeux innocents. Ma sœur fait ce qu'elle veut. Je vous souhaite le bonjour. Gondi! Monseigneur? Veuillez dire à ma sœur que l'armée d'Alsace fait route sur Paris. Maman, si j'ai la fève, je serai un roi comme Louis? Oui, pour toute la soirée. Et si c'est moi, je serai deux fois roi? Mais on ne choisit pas. C'est Madame de Brienne. Vous souvenez-vous au moins du nom des mages? Gaspard et Melchior. Melchior. Non, je l'ai déjà dit. Monsieur le maréchal, savez-vous l'autre? Ma foi, je crois bien que c'est Balthazar. Saviez-vous que le bruit courait dans Paris, que la reine voulait partir cette nuit? Voilà donc pourquoi nous avons tant de grands visiteurs ce soir. Ils la surveillent. Tous les frondeurs ameutés, ma bonne. La mystérieuse Marie de Gonzague, la belle duchesse de Longueville, qui a perdu pour une fois l'amant du jour, monsieur de la Rochefoucauld. Mais gardez son frère, le prince de Conti. Vous trichez, on dit qu'il est fou d'elle. Comme notre frère, Condé, est fou des batailles. Car... Ma chère, tous sont en alarme ce soir à cause de ces rumeurs de fuite. Son Altesse royale. Monsieur, duc d'Orléans. Regardez s'il est triste. Du temps du roi Louis XIII, il ne se consolait pas d'être le frère. Maintenant, il ne se console pas d'être l'oncle. Et il n'est même pas roi de la guerre, puisque Condé prend tout. Et même pas le roi des frondeurs, parce que le courage lui manque. Comment ne pas être triste avec un rejeton comme cette grande fagotée? Vous avez vu, mademoiselle? Ma chère, j'ai mieux fermé les yeux. Tiens, voilà celui qui manquait. Notre coadjuteur comploteur, monsieur de Gondi. Et sa tendre mademoiselle de Chevreuse. Elle est encore plus belle que sa mère. Monsieur le prince est aussi têtu qu'un pape. Il refuse? Pire. Il a rappelé son armée sur Paris. Et il m'a dit ça comme une menace. Je connais mon frère. S'il ne secoue un peu trop fort la régence, il nous fera la guerre.
Mais le roi est là. Nous tenons au nid le plus bel oiseau. Tant que nous l'avons bien au chaud dans sa cage, nous pourrons fonder tranquilles. Allez donc tirer les rois avec Mademoiselle de Chevreuse. Tout cela est le calme même. C'est vous, maman. Vive la reine! Vive la reine! Vive la reine! Ma reine boit! La reine!